Pour te supplier de ta lumière. Tu n'es pas bang yamba. Afin que les gens te connaissent. Si bala ne bougeront. Car plusieurs. Si le bois yamba ne bougeront pas. Le sait de tout leur cœur. La première. Mais ils ne savent pas. La bia bila de blam. Et l'ennemi les trompe. Al kote yamba. Te supplions. Ti chongdo. Aide-nous. Tu n'es pas boum yamba. Afin que les gens puissent te comprendre. Tu n'es pas boum yamba. Car ils vont te comprendre. Ils sont tous sacrés. Aide-les à t'obéir. N'est-ce qu'il a de bazar. Bénis les auditeurs. À Jésus merci. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons rentrer dans le but de la parole de Dieu. Et nous voulons que vous, auditeurs, voyez bien. Car nous devrons discerner la volonté divine. Notre thème s'intitule Dieu est le fétiche. Ceux qui recherchent Dieu. Ça, c'est que Dieu est le fétiche. C'est sur ce thème que nous allons nous entretenir. Et voici les passages qui en découlent. C'est dans Ésaïe 47:8-15. Ézéchiel 13:17-23. Chapitre 14:1. Dans les Actes des Apôtres 19:13-20. Également dans Nombre 23:20-24. Jérémie 17:5-9. Ézéchiel 11:17. Dans les Psaumes 115:3. Et enfin Ésaïe 33:1. Et nous allons nous entretenir. Alors nous allons présenter de quoi il s'agit. Vous verrez un être bien différent de l'être humain. Ce genre d'espèce n'est pas né d'homme.
Et à Kayidi nous carré pour y. Il n'est pas de ce monde également. Bamara avait le mal enseigné. Ils étaient des anges de la lumière. La Zabining Hajini Arjana. Et la guerre qui s'était levée au ciel. Afin qu'ils aient été chargés par Dieu. Pour qu'ils descendent sur la terre. La Viura Bona Mutijindama. Et ils sont appelés les démons. La Bamatu Nanetim. Et ils œuvrent dans le fétiche. La Nebar Latin Kuba. Dans les rites des sorcelleries et dans les devins. Ya Rin Kiti. Et voilà pourquoi. Nous voulons vous montrer quand on parle de fétiche, comment peut faire quelqu'un étant né et il se lève, il sait de fétiche. Qu'en faisant 16 ans, si tu fais cela, cela devient de pratique magique et ça peut être ainsi. Ce sont les démons qui inspirent les gens afin qu'ils apprennent à des pratiques magiques et à être des idolâtres. Car la guerre étant levée au ciel et ces gens ont été chassés, ils sont devenus ennemis de Dieu, ils savent le totem de Dieu et ils veulent apprendre aux êtres humains à faire ce que Dieu a interdit. Dieu est les fétiches. Il apprend les gens à être des féticheurs. Dieu est la débauche. Il les apprend à être débauche. Le démon envoiera des rêves. Et tes rêves seront vraiment des cauchemars. Et étant levé, tu es vraiment attristé. Et ils vont choisir un parmi vous, un chien, et ils vont lui posséder. Et il sera féticheur. Et le démon qui a envoyé le cauchemar, et que l'homme ne comprend pas, ce dernier se lèvera et partira sur le féticheur. Et le démon qui possède le marabout et le démon qui a envoyé les cauchemars, ce sont les mêmes démons là. Et le démon qui possède le marabout dira à celui qui est venu pour consulter le marabout. Voici son rêve. Il doit aller chercher un poulet pour aller adorer la montagne. Ou peut-être les arbres. Ou bien les rochers. Ou la terre. En ce moment, alors Dieu a créé l'homme pour sa propre gloire. Parce que cette gloire est dédiée aux arbres et aux rochers. Cela montre que Dieu est devenu à égalité avec les arbres et les rochers. Et il ne vaut pas mieux que les rochers. Ça, c'est une opprobre à Dieu. Alors, tous ceux qui pratiquent ce genre de choses, Dieu les hait. La vie, et ils vivent. La... Mais leur vie est en conformité avec les démons. Dieu les abandonne en guise des démons. Alors, quand la lumière surgira, si vous discernez que vous êtes dans le camp des démons, il y a un problème entre vous et le vrai Dieu. Vous devez demander pardon au nom de Jésus afin que Dieu puisse vous pardonner. Ainsi, l'homme arrêté, c'est un démon de fétiche. Si vous trouvez une queue, et là, il avait dit que cette queue appartient à un animal. Et l'animal étant mort, sa queue est invalide. Et parce qu'on l'a utilisé comme une magie, c'est au nom du démon que la queue est utilisée. Et la queue représente, matérialise le démon. Alors si la queue est posée, quand on va invoquer la queue, d'aller lier quelqu'un,
Le démon qui incarne la queue écoute ses paroles. Ce démon va se lever après ses serments. Il va aller ligoter cette dernière personne. Quand le nom de cet homme a été prononcé, et on l'y a lié à ce démon-là. Alors quand il va ligoter, cet homme ne le suit plus dans ses recherches. Il ne peut plus aller où il veut. Car vous ne voyez pas cette chaîne. Mais ce qui lui rend important, montre qu'il y a un lien sur cette personne-là. Plusieurs personnes, leurs recherches ne sont pas à bien limite. Il s'agit des liens. Et malgré ses richesses devant lui, il ne peut pas atteindre cela. D'autres, ils sont liés. La personne ne peut aller nulle part. Et d'autres sont restés sur place. Ils ne parlent pas. D'autres sont liés par les démons. Tout ce qui est leur bien-être ne peut plus les atteindre. Et cela ne vient pas de Dieu. Hein? Et s'il s'avère qu'une personne de cet homme arrivait à lui haïr, pour lui lier avec l'esprit de fétiche, l'esprit de fétiche qui est lié, et puis l'homme, le démon va détruire les richesses de cet homme, afin qu'il devienne pauvre à sa vie, s'il y a lieu de délivrance. Et ce démon est déjà jugé, il est chassé, il part en affaire. Alors la personne qui a prononcé le nom de cet homme, et il est lié, la souffrance de cet homme est bien considérée. Ils vont prendre cette souffrance-là et restituer celui qui a prononcé les paroles maudites. S'il s'avère que l'homme va mourir sans avoir ces souffrances-là, cette souffrance est dédiée à ses fils et à ses petits-fils. Ainsi, plusieurs souffrent à cause des mauvaises actions de leurs parents. Parce que Dieu restitue chacun en ce qui concerne ses œuvres. Si vous dites à quelqu'un qu'il ne serait pas béni, les demandes de malédiction viennent tourmenter cette personne-là. Et il œuvre sur tes pactes, sur tes serments. Et la récompense viendra sur toi qui as prononcé ces paroles. Parce que le démon est jugé d'office. Si tu envoies demande d'aller détruire quelqu'un. Le démon ne tue pas n'importe comment. Le démon part détruire, mais en ton nom. Et tu seras attributaire de ces conséquences-là. Raison pour laquelle vous ne devez pas prononcer de mauvaises paroles. Si vous dites que Dieu te fasse ainsi, ces démons descendus s'appellent de Dieu. Que Dieu te fasse. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils sont possédés par ces dieux-là. Et ils œuvrent sur les serments et sur la foi également. Raison pour laquelle la queue que ce démon tient lui représente. Et les féticheurs en ont croit aux uns aux autres. Le démon va parler aux féticheurs afin de faire comment utiliser cette queue et tuer quel poulet afin que si ce dernier obéissait, le démon œuvre. Vous voyez les fétiches? Un démon de fétiche. Et les gens utilisent ces démons pour lier les gens les autres. Les fétiches existent réellement. Et non, elle est. Les fétiches ne vont pas Dieu. Les fétiches existent. Mais ils ne terminent pas en beauté. Parce que la rétribution, c'est la mort. Voilà pourquoi. Si vous niez l'existence des fétiches, vous vous trompez. Les fétiches tuent. Les fétiches font tout. Et ils peuvent arranger vos affaires en un rien de temps. Et pour vous détruire enfin.
Vous voyez. Alors si quelqu'un s'adonne à une idole, le démon de l'idole lui est assujetti. Ou bien si cette personne est initiée par une autre personne, c'est l'esprit de démon qui le possède. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que s'il s'avère que vos problèmes ne marchent plus, et malgré vos luttes, vous ne réussissez pas, vous ne savez pas qu'est-ce qui fait que les gens réussissent alors que moi je ne réussis pas. Comment se fait-il que j'ai l'écho de la bénédiction de Dieu sans pouvoir les avoir? Si tu te trouves dans les liens, chose impossible. Que tu discernes et tu te délivres. Je veux que vous compreniez bien cette affaire. Car cela œuvre dans les derniers temps, dans nos jours. De surcroît dans les pays africains. Parce qu'ils utilisent les magies énormément. Et les idoles également. Et ils se détruisent les uns les autres. Ce qui concerne les magies, les mystères des fétiches. Nous partons dans le passage. Il est dit dans Isaïe 47, verset 8. Massa. Encore. Manam yamdam. Amatrice de plaisir. Toi qui t'as fait plein de confiance et qui, dans ton cœur, il dit, il n'y a que moi, personne d'autre. Je ne serai jamais veuve et ne perdrai jamais d'enfants. Malgré vos fétichismes, plusieurs, et que vos fétiches soient énormes en un instant et en un seul jour. Et les morts infantins la chitkoumé, et les morts de vos maris taba, vont se rencontrer bon, afin que vous soyez en grande perte. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Et tu disais, personne ne me voit. Ce sont ta salaire et ton savoir qui t'ont égaré. Et tu parles dans ton cœur. Et ce n'est que nous. Et personne d'autre. Le malheur te frappera. Sans même que tu ne le vois. Tu seras le désastre. Sans que tu ne puisses l'écarter. La dévastation fondra sur toi. Et sans que tu t'en aperçoives. La détresse atteindra à l'improviste. Ainsi, continue tes pratiques magiques et tous tes rites de sorcellerie avec lesquels tu t'es fatigué depuis ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es épuisé à force de consulter les devins. Il se présente donc. Masaya. Maintenant, il se présente et te sauve. Les spécialistes du ciel, ceux qui observent les astres et qui sont censés annoncer chaque demi-mois ce qui doit arriver. En réalité, ils sont parés à de la paille. Le feu les brûle entièrement. Ils ne pourront pas échapper aux flammes. Ce ne sera pas un simple feu de braise qui permet de réchauffer. Mis un feu. Voilà tout ce qui peut t'apporter. C'est que tu t'es fatigué à consulter. Ce que tu as fait dans la fête depuis ta jeunesse. Se perdront. Chacun de son côté. Il n'y aura personne pour te sauver. Il s'agit des rites de sorcellerie que nous avons dit. Dit que Dieu a pour totem des fétiches. C'est réel et c'est véritable. Il est dit à Esaïe. Parle au peuple. Il y a des gens qui sont des féticheurs. Ils ont la force des fétiches. Ils ont la force des idoles. Ils s'enorgueillissent en disant qu'ils sont redoutables. Et ils sont endurcis de cœur. Et moi, personnellement, je dis qu'ils se disent incomparables. Et je leur dis, les fétiches, ils ont eu avec des enfants, ils ont commis des maraboutages. Dis à leur femme,
te adam shi ku mëna wa wakata yi que le mari mourra en un seul instant comme ku mëna wa wakata yi et les morts infantiles sera en un naissant également le et ainsi mënam wuli gam Dieu a dit et moi qu'il est né ti mëfim kiram allez avec les méchancetés de vos rites. Peut-être vous serez redoutables. Parce que je vais vous rencontrer. Afin que vous discerniez que je suis plus que les fétiches. Dieu dit dans sa parole. Vous dites que personne ne vous voit. Personne ne voit, ce n'est pas moi qui ne vous vois pas. Je te vois aller prendre la queue. Et tu t'en es confié. Tu égores des poussins. La pour le commerce ou non? Et tu fais des eaux pourries. Adnam charne ba bela adnam. Ceux dont vous allez consulter vous trompent. Tim katan vie. Les fétiches n'ont pas de vie. Abos raya nyang kasanga. La fin c'est une opprobre, une grande honte. Tim abos raya nyang. La fin des fétiches c'est la honte. Tu vois n'abie là? Dieu dit nyam charne ba nyang abos raya. Parce que vous avez plusieurs conseillers. Si tu obéis les conseils d'un marabout, c'est le démon que tu accueilles en toi, n'est-ce pas? Alors sache que tu recevras la récompense du marabout. Parce que tu acceptes ses conseils et tu parles faire des sortilèges et tu fais des enchantements et tu égorges des sacrifices. Il y a une récompense que je réserve et je vais vous faire part. C'est un feu que vous, êtres humains, n'avez jamais vu de votre propre œil. Vous, enfants des hommes qui ont commis des fétiches et vous avez fait des sorties et vous êtes vécu jusqu'à l'arrivée de Jésus et vous ne vous êtes pas repenti. Moi j'ai préparé une géhenne que personne ne peut se réchauffer auprès pour les marabouts, pour les féticheurs. La junou ninga hantare. Et la grâce, l'opportunité que ces derniers. Ahangum kwera wotubu. Quand tu entendras ces genres de paroles, et si tu discernes qu'il y a une issue de sortie pour accepter Jésus comme sauveur, alors cette personne se sauvera de cette gêne. Et si tu entends ces conseils sans accepter, cette personne s'est fait élément de l'enfer tout en réservant. Parce que la fin, ce sera dans la gêne. Dieu nous a chargé de vous dire que cette gêne est bien différente que le feu que vous utilisez pour cuire vos aliments. Vous savez ce que le feu peut faire sur un homme. Si le feu doit te consumer, c'est dangereux. Il n'y a pas d'eau dans le feu. Il n'y a pas d'habit dans le feu. C'est la honte. Et c'est des angoisses. Parce que c'est des souffrances infinies. Continue de l'avant en disant. Dans Ézéchiel 13:17. Ézéchiel chapitre 13. Verset 17. Abiela Beria. Quant à toi. La massage. Quant à toi. Michel Biga. Fils de l'homme. Tourne ton visage vers les filles de ton peuple. Qui prophétise d'après leur penchant. Et qui prophétise contre elles. Tu dis là. Voici ce que dit le Seigneur. L'Éternel. La miel la mia. Et je dis. Hey. Attention, toute femme féticheur avec les poignets la là, et leur voile de toute taille pour la tête, vous serez au piège et vous détruisez les esprits de mon peuple et vous préservez vos propres âmes. Vous me déshonorerez de mon peuple pour des poignées d'or et de morceaux de pain. En faisant mourir et mon peuple qui aime les mensonges, et vous faites mourir les innocents et les coupables, vous les laissez à vie. Ainsi, le Seigneur l'Éternel dit,
Moi, je hais vos poignets. Je ne savais ça. Que vous utilisez pour détruire mon peuple. Maintenant, passe à Yegana. Je vais déchirer vos poignets. Afin que ceux que vous voulez faire périr survivent. Et que vous discernez que je suis le Seigneur. Ainsi, le passage que nous avons lu, Dieu nous dit qu'il y a une génération dont il y avait des femmes dans la croyance. Et ces femmes étaient des féticheurs. Et personne ne savait. Et ils ont mis leur foulard dans des fétiches. Elles avaient des peaux d'animaux et des poignets de bracelets. Et cela ressemblait à des ornements de parure. Dieu a dit à Ézéchiel, tu vois les foulards de ces femmes-là? C'est des foulards, des voiles qu'elles utilisent pour détruire des vies. Sache que leur foyer détruit les gens. Et se dit qu'elles sont prophétesses. Quand elles prophétisent, mon peuple qui aime le maçon, quand il va recevoir cela, parce que mon peuple a donné confiance à ses prophéties, les démons qui agissent en ces femmes possèdent ceux qui reçoivent ces fausses prophéties. Raison pour laquelle mon peuple est détruit. Et mon peuple est sans discernement. Parce que les prophéties qui ne viennent pas de moi, Dieu détruit. Quand vous recevez les paroles de Dieu qui sortent, l'Esprit de Dieu pénètre en vous. Et si les femmes, les fausses prophétesses, quand les avons recevoir leurs prophéties, l'esprit du diable possède ceux qui vont accepter ces fausses prophéties-là. Et le peuple de Dieu meurt sans connaître, sans discerner cela. Ceux qui sourient avec le peuple de Dieu, qui ressemblent à ceux qui les aident, les détruisent. Parce que le peuple de Dieu est sans discernement, sans vigilance, il ne cherche pas à savoir les paroles qui viennent de Dieu et du diable. C'est là que Dieu a dit que quand le peuple de Dieu s'unit, il y a des sorciers au milieu d'eux. Et Dieu a parlé plus des femmes. De nos jours, c'est pareil. Des femmes qui n'ont jamais été délivrées prient pour des personnes. Elles donnent des prophéties qui ne s'accomplissent jamais. Et parce que le peuple de Dieu aime les tromperies et qui croit en ces prophétesses-là, les esprits des prophétesses détruisent le peuple de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a ratifié cela. Je vais me lever. Je vais sauver ceux qui laissent d'abord. Et à ce moment, d'autres sont partis déjà. Ainsi, soyons sages. Car les fétiches détruisent. Dieu dit, les fétiches détruisent les âmes. Parce que l'âme d'un féticheur ne vient pas à mon royaume. Sinon que cette personne a été pardonnée. Si vous partez rechercher des fétiches, votre âme est détruite. Si vous voulez croire à un féticheur, votre âme est périe d'office. C'est pour laquelle nous nous éclairons en ce qui concerne les fétiches. Dieu a dit au verset 14, les anciens d'Israël sont venus auprès de moi. Et se sont assis devant moi. La parole de l'Éternel m'a alors été adressée. Fils de l'homme, ces gens portent leurs idoles sur leur cœur. Ils mettent juste devant eux ceux qui les poussent à la faute. Veillez donc, me laissez considérer par eux. C'est pourquoi, parle-leur. Voici ce que dit le Seigneur. Et je dis, tout Israélite qui porte ses idoles et place juste devant lui ce qui lui pousse à la faute, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai, quel que soit le nombre de ses idoles. J'agirai de cette manière afin de toucher le cœur.
Ils se sont détournés de moi à cause de toutes leurs idoles. C'est pourquoi, à notre la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur. Je leur dis, revenez à moi, abandonnez vos idoles, abandonnez toutes vos pratiques abominables. Toutes vos pratiques abominables. En effet, tout Israël ou tout étranger, en séjour en Israël, qui s'éloigne de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui place devant lui ce qui lui pousse à la porte, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter, moi je suis l'Éternel, je lui répondrai, je me retournerai contre cet homme, je ferai de lui un sujet de proverbe, je l'exclus du milieu de vous. Vous reconnaissez que je suis l'Éternel. Si le prophète se laisse séduire et prononce ses paroles, c'est moi l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je déploierai ma puissance contre ce prophète du milieu de mon peuple. Le prophète, celui qui vient lui consulter, vous serez châtié à cause de vos fautes. Le passage que nous venons de lire, Dieu dit, il y a des gens qui sont donnés aux enchantements. Et les esprits de ces fétiches les ont liés avec les chaînes. Ils étaient souffrants. Et ils ne pouvaient pas obéir aux prescriptions divines. Raison pour laquelle ils se sont levés pour aller vers ce qui prie, que Dieu a installé lui-même. Quand ces derniers partent, les démons de leurs fétiches le suivent. Les démons de leurs idoles le suivent. Et si le prophète dit, sois patient et aie la foi, ne doute pas de Dieu, car il va t'aider. Si l'homme se lève, le démon qu'il est à ligoter, et il est dans les mains de ce démon. Le démon lui dit, dans ma main, peux-tu obéir à Dieu, avoir l'amour et avoir la foi, mais impossible. C'est le démon qui te propulse dans la faute. Et Dieu a dit à Ézéchiel, dis au peuple, si ce n'est que eux-mêmes, il sera délivré de cette idole et de cette fétiche. Il ne peut pas obéir à mes commandements. Parce que les démons me connaissent bien. Il y a un problème au milieu de nous. Et vous êtes avec les démons. Et vouloir m'obéir, mais les démons ne vont pas vous laisser. C'est cela qu'il est dit. C'est toi qui te trouves dans les fétiches ou dans l'idolâtrie. C'est ce démon qui te propulse dans les péchés. Les démons de fétiches qui te propulsent dans les péchés. Dans la main de ces démons, tu ne peux pas obéir à Dieu. Dieu a dit que c'est impossible. Voyez. Il faut que vous soyez délivré. C'est cette petite que je suis allé prendre. C'est cette idole que je suis allé initier. Et que Dieu vienne briser ses liens. Dieu dit, si quelqu'un se trouve dans ses problèmes, il sait qu'il a fait des amulettes et il s'était initié aux idoles sans demander pardon. Et s'il se lève consulter à un prophète à mon nom, et si l'homme va prophétiser sur lui et mentir, et pourtant je ne suis pas avec le féticheur, Dieu dit, le prophète, celui qui est venu consulter là, vous tous, vous serez châtiés, vous allez mourir. Voyez, c'est pas un lieu d'amusement. Parce que Dieu ne prend pas à la légère sa parole et ses actes. Vous voyez, plusieurs prophètes vont mourir sans discernement. Parce qu'ils vont avoir un idolâtre ou un possédé qui vient lui dire, prie et prophétise. Tu pries, tu vois des visions alors que Dieu n'est pas avec celui qui est venu. D'où sont venues ces visions-là? Nous partons d'un acte. Acte des apôtres 19, 13.
Le passage va nous éclairer davantage. Acte des Apôtres, chapitre 19. Verset 13. Dans ce passage, voici ce qu'il nous a dit. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient de prononcer le nom du Seigneur pour chasser les démons. Ils disent, nous vous conjurons par le nom de Jésus que Paul prêche. De sortir. Ceux qui faisaient cela, et cela était sept fils de Séva, un juif des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit. Ma mère Jésus. Je connais Jésus. Ma mère Paul. Également, je sais qui est Paul. Je sais qui est Paul. Mais quant à vous, qui êtes-vous? Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais à lui se jeta sur eux, les maîtrisa et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nue et blessés. Le passage que nous venons de décrypter, il est dit que les fils d'un prêtre de Dieu étaient tombés. Ils sont devenus des féticheurs. C'est au temps de Jésus. Et ils ont vu la puissance que Jésus avait impartie à Paul. Et Paul chassait les démons. Guérissait des malades. Et s'ils se sont levés, rentrés dans le ministère. Et pourtant ils étaient des féticheurs. Parce qu'ils se sont levés pour chasser les démons. Et ils s'étaient toujours avec les démons. Et pour faire contre ces démons également. Il est dit que le mauvais esprit a posé la question. Nous savons qui est Jésus. Ce qui concerne Paul également. Nous savons qu'il est imparti d'autorité. Mais vous. Nous allons comme Miami. Nous ne savons pas qui vous êtes. Ça c'est que les démons ne savent pas les enchanteurs. Si vous ne vous délivrez pas de ces biens, si vous remplissez dans l'église, disiez, partez au nom de Jésus. Les démons se trouvent toujours dans des interrogations. Qui doit partir? Mais qui êtes-vous pour nous chercher? Mais si vous remplissez dans les assemblées avec des enchantements et des fétiches et des idoles de votre lignée sans être délivré, une interrogation est imposée. Vous qui nous sommez de partir, où aller? Si vous ne vous taisez pas, nous allons vous posséder. Vous voyez? Et il possède. Quand la prière commence à se chauffer, et ceux qui étaient debout, et ils possèdent ceux qui sont au milieu d'eux. Et le gars commence à se pavaner. Vous voyez? Et le sommeil vient. D'autres même ne peuvent même pas ouvrir la bouche. Ainsi, ceux qui pratiquent le fétiche ne veulent pas chasser les démons. Obéissant à Dieu. La génération passée, des chefs de sacrifice sont devenus des féticheurs. De nos jours, les fils des sacrificateurs et des pasteurs sont devenus des adultères et des ivrognes et des féticheurs, des enchanteurs. Ce qui a commencé avant existe de nos jours. Partons dans Nombre 23:20. Vous voulez que vous compreniez très bien. Afin que vous sortez de vos conforts de misère. Nombre 23:20. Il est dit dans ce passage. Voici. J'ai reçu l'ordre de bénir, car il a béni.
Je ne révoquerai pas sa décision. Il n'aperçoit pas de mal à Jacob. Il ne voit pas d'injustice en Israël. L'Éternel est avec lui. C'est lui qui répandit l'acclamation réservée au roi. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il possède la force du buffle. La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Le passage que nous venons de décrire, si vous n'êtes pas délivré, la divination est vos moyens. Balaam a été invité de venir maudire le peuple d'Israël qui s'était délivré et qui se trouvait plus dans les mains du diable. Il est venu dans sa vision. Il a dit impossible de maudire. Quand on envoie l'esprit de divination d'aller, Balaam a dit, je ne vois pas l'homme qui s'est sanctifié. Je ne vois aucun démon qui peut aller maudire cette personne-là. Même si le démon partait, il n'y a pas de place, il n'y a pas de brèche pour pénétrer. Parce que la grâce de Dieu entoure cette personne. Raison pour laquelle nous devons sortir de la magie. Et Dieu nous aidera. Nous partons de l'avant dans Jérémie 17, 5. Jérémie là yo pour nous. Le prophète Jérémie, chapitre 17, verset 5. Maintenant, calme. Nous lisons ensemble. Il nous a dit dans ce passage, voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, prend les créatures pour appui. Il est pareil à un genévrier dans la plaine. Il ne voit rien de bon. Il habite dans les endroits brûlés du désert. Et celui qui se confie à l'Éternel et qui place son espérance à lui, il ressemble à un arbre planté près d'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter de fruits. Il est dit que si vous délivrez vous-même, malgré les souffrances, l'œuvre divine en vous persévère. Il n'y a pas de sécheresse. C'est comme un arbre dont ses racines sont près de couvres. Et si vous appuyez à ces démons, il est dit l'intensité de votre souffrance. Dieu dit c'est un malheur. Il a pris l'exemple comme quelqu'un qui est sous les rayons solaires sans savoir où aller. Et il est en train de rougir. Vous voyez les gens qui sont en train d'être rougis jusqu'à leur mort. Parce qu'ils se trouvent avec les esprits de divination. Cessez les magies. Cessez les magies. Mettez fin à la divination. Mettez fin aux idoles. C'est la volonté de Dieu ainsi. Afin que vous puissiez être en accord avec Dieu. Et que votre fin soit joyeuse. Nous partons dans Ézéchiel 11, 17. Dans ce passage, Dieu nous dit clairement, dis-leur, voici ce que dit le Seigneur, je vous rassemble du milieu des peuples, je vous réunirai où vous êtes éparpillés, afin de leur donner le territoire d'Israël. Quand ils y iront, ils retireront toutes les monstruosités, tout ce que je hais. Je leur donnerai un cœur
un nouvel esprit. Nante kap ci wax yow ak ko. Il change leur cœur de pierre. Ni ni char son lui. En cœur de chair. Te sax am ton da. Afin qu'ils puissent obéir à mes prescriptions. Ne ma minum ma. Et mes règles. La bam na yi mam ne ba. Sera mon peuple. Te mam yi ba mwen na. Et je serai leur Dieu. Ne to mon kan mab ye la meya. Et si le passage dit. Cher sur ma lève ne yinti ketita. Dans le territoire d'Israël, il y a des gens qui se sont donnés à la magie, ils avaient des queues. Et ces démons les suivaient. Et la puissance de Dieu qui surpasse les démons et allait retirer le peuple pour envoyer au territoire d'Israël. Et Dieu leur dit, arrivez, les queues, sortez-les, les idoles, rejetez-les. Quand vous allez finir de les rejeter, après cela, et confessez. Vos péchés et demandez pardon. Les procédures que tu as faites pour avoir la queue. Et confesse cela clairement. Répands-toi. Dieu dit qu'après cette phase, il fait que celui-là qui te possédait, et tu n'étais pas un être libre, tu étais démon. Au moment où celui-là t'a saisi, quand tu suis cette formule, comme il a prescrit, et l'esprit de cette divination là, il va partir afin que Dieu vienne changer ton cœur qui était le cœur du démon en cœur de chair, en cœur de l'homme. Il y a des gens qui mangent pour ça, ils sont des démoniaques. Voyez son corps qui ressemble à l'être humain. Dieu dit quand ils suivent ces formules là, en ce moment je sens leur cœur et qu'ils puissent obéir à mes lois. Sans changement de cœur, ils seront ivrognes malgré leur christianisme. Ils sont dans le christianisme et pourtant ils ne cessent pas de voler et de commettre l'adultère. Suivant les procédures de la parole divine, nous partons de l'avant. Dans Somme, Somme 115, verset 3. Somme 115, 3. Il nous a dit dans ce passage, notre Dieu est au ciel, fait tout ce qu'il veut. Fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles, que les gens invoquent comme Dieu, ce n'est que de l'argent et de l'or. Notre Dieu est au ciel. Et Dieu fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles qu'ils invoquent comme Dieu, ce n'est que de l'argent qu'ils ont fait en main d'or et de l'or qu'ils ont fait. Elles sont faites par les mains des hommes. Ils ont une bouche, mais elles ne peuvent pas parler. Elles ont des yeux, elles ne voient pas. Et ces idoles ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont des nez, mais ils ne peuvent pas sentir. Ils ont des mains impotentes. Ils ont des pieds, mais ils sont paralysés. Aucune voix ne sort de leur gosier. Ceux qui les font, ils leur ressembleront. Et ce sont ceux qui les ont fabriqués. Il ressemble à ceux qui se sont appuyés. Il sera comme ses idoles. Comprenez ce que Dieu dit. La parole de Dieu dit, le fabricateur de cette idole ressemblera à l'idole. Et l'idolâtre sera comme l'idole. Raison pour laquelle on ne doit pas prier n'importe comment. Si vous partez adorer des idoles ou présenter vos condoléances, vous ressemblez au cadavre ou à l'idole. Si vous partez honorer une tombe, vous devenez comme la tombe. Et si vous honorez un démon ou un fantôme, vous devenez comme le fantôme. On ne glorifie pas en n'importe quoi. La raison pour laquelle Jésus est venu, je suis pas, et Satan l'a surpris sur la montagne.
Protège-toi, adore-moi. Le monde entier m'a donné. Quand tu vas te prosterner devant moi, le monde entier t'appartiendra. Ça c'est que si Satan peut utiliser le monde entier pour rechercher la gloire. Cela veut dire que si Jésus se prosternait, Jésus allait devenir comme le diable. Vous voyez? Quand il va se prosterner pour adorer, même s'il reçoit le monde entier, et c'est Satan qui allait posséder et Jésus et le monde entier. Vous voyez? Et comme quelqu'un qui a pris la maison et il a mis un peu de viande au bout, il met ça dans la mer et il y a des poissons dans la mer, il y a beaucoup de chair et le poisson a vu la petite viande, va ouvrir sa bouche pour couvrir cette petite viande et la petite viande l'amène au dehors. Vous voyez, c'est pour cela que Satan arrive à trahir les gens. Si Jésus avait obéi, alors il allait posséder et Jésus et le monde entier. Vous voyez, raison pour laquelle on ne doit pas honorer n'importe comment. Vous ne devrez pas adorer vainement. Si vous regardez bien la fin, il y a Isaïe 33:3. Que notre message prendra fin. Il est dit dans ce passage. Quand ta voix retentit, malheur à toi qui dévasse sans savoir. Et qui trahit sans avoir été trahi. Quand tu auras fini de dévasser, tu seras dévassé. Quand tu auras fini de piller, on te pillera. Dieu dit, je veux que vous compreniez que le fait que je vous dise que vous serez comme ma l'idole, ce n'est pas présentement. Si quelqu'un commet l'iniquité, pendant qu'il travaille, moi je ne l'empêche pas. Ce que je peux, c'est d'aller révéler à des gens, de lui avertir que ce n'est pas bien ce qu'il a fait. Et après son œuvre, quand il va et sera en retraite pour se reposer, c'est à ce moment que je viens auprès de lui maintenant. Raison pour laquelle vous voyez des voleurs et les gens les avertissent en vain. Les gens commettent l'adultère, sont avertis, conseillés en vain. Les autres trahissent, sont conseillés en vain. Alors Dieu dit, après ta trahison, personne ne témoigne. Mais moi, ton créateur, je peux t'assujettir. Je vais te trahir. Quand tu finiras de dévasser les gens, quand tu vas finir d'avorter, et quand tu vas finir ta divination, ta magie, et si tu ne pars pas, te repentir auprès de Jésus et rester avec lui, tu seras récompensé. Voici l'opportunité que nous avons. C'est ce que vous avez entendu. Celui qui se trouve dans ces cas et qui a appris cela, Dieu vous attend. Si vous venez vous repentir, ce qui devait vous atteindre ne vous atteindra plus. Si vous refusez, cela reste. Nous sommes au terme de notre message. Ainsi, le thème était intitulé Dieu est la magie. Isaïe 47:8-15. Ézéchiel 13:17-23. 14:1. Acte des Apôtres 19:13-20. Nombre 23:20-24. Jérémie 17:5-9.
Ézéchiel 11, 17. Ils sont quoi dans Pilate à nous de Satan? Psaume 115, 3. Ésaïe 33, 1. Enfin, Ésaïe 33, 1. Ainsi, nous vous montrons. Hein? Dieu est la magie, voici le démon de la magie. Et vous ne voyez pas cette. Également, vous ne verrez pas ces liens. Vous voyez, quand il va décider à voyager et cela échoue. Vous verrez le commerce de cet homme qui est important. Et l'homme ne fait que s'assombrir dans les problèmes. Vous verrez qu'il y a un lien. Et c'est ce que les gens se font les uns les autres. Et ceux qui ont fait la magie, et si vous avez commis de l'iniquité envers vos prochains, et la récompense des souffrances et de la misère dont vous avez fait retombera sur vous. Nous allons prier pour vous. Notre Père Tout-Puissant, nous avons donné aux auditeurs ta parole. Nous avons montré tes totems. Ainsi, aie pitié de ces gens-là. Et bénis leur audition. Aide ceux qui se trouvent dans les idoles et dans les magies de s'en sortir. Car il y a une récompense qui vient. Dieu très haut, bénis les auditeurs. Au nom de Jésus. Amen.